Bonjour monsieur. Bonjour, vous m'entendez là? Oui. Super. Bonjour messieurs. Bonjour Miguel. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Eh, monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé. J'ai trompé les jours la semaine dernière. La semaine passée, j'ai trompé les jours. Je crois que si. S'il vous pardonne. D'accord, donc on va se rattraper aujourd'hui, Ok, Inch'Allah. On va se rattraper. merci. Salam, Hicham. Hicham. Salam, monsieur, ça va? Rahno, Der. Alhamdulillah, Allah ybarak fik oussi. Donc on a Ikram, Rania. Bien. Alors, Lyon, maintenant, donc on va attendre un petit peu, hein, Oui, question monsieur. que tout le monde, presque tout le monde, hein. D'accord. C'est le premier cours aujourd'hui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement à travers le chat. Oui, monsieur, s'il vous plaît, concernant les projets. Est-ce qu'on va continuer les mêmes projets qu'on avait commencé au premier semestre ou là on doit faire une autre chose? D'accord, c'est avec. Oui. D'accord, rappelez-moi ton projet. Monsieur le distributeur des médicaments. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est faisable. Donc, monsieur, on continue sur le même projet. Alors, moi, mon idée, c'est on consacre une séance, par exemple la semaine prochaine, et on va parler, donc chaque groupe va nous faire un petit récapitulatif concernant son projet. D'accord? Comme ça, on va en discuter. Donc. Mais comme vous connaissez toujours, hein, vous devez avancer avec le projet. D'accord, donc D'accord? on le laisse pour la semaine prochaine. Inch'Allah, oui. D'accord. C'est qui, Mac? Mac, c'est qui? Bonjour monsieur, c'est Najwa. Je viens modifier. Je vois. D'accord. Changez vos noms. Vous pouvez sortir de la réunion et revenir. Donc. Alors, qui vient d'entrer? Bonjour monsieur. C'est qui? Bonjour. Mihad. Nihal. Oui. D'accord. Bonjour. Alors, une minute et on commence. D'accord. Bonjour. D'accord. Est-ce que tout le monde a le logiciel installé? Non, monsieur. Comment? Non? Non, monsieur, pas tout le monde. Oui, monsieur, je l'ai. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mac, encore une fois. J'en ai pas, je vais peut-être. Non, monsieur, c'est Rim. Bonjour, Rim. Bonjour, Riba, c'est Rim, oui. Pour des
Bonjour. Bonjour. Audrey. Bonjour. Oui, monsieur. Ça va? Ça va tranquille, et vous? Alors, s'il y a des questions, vous les saisissez en bas, dans la partie de discussion. Comme ça, je vais couper les micros pour que vous puissiez suivre avec moi. Bien. Alors, on commence. Alors, normalement, pour cette partie, on devrait continuer sur l'étude des ressources, le tableau des ressources. Bon. Donc, on a dit l'autre fois qu'on pouvait faire un tableau des ressources avec des noms, et avec des coûts, des types. Et on peut faire les affectations, c'est-à-dire chaque page, il va la faire. Donc, il peut, par exemple, elle peut être faite par une ressource humaine, elle peut être faite aussi par un matériel. Alors, aujourd'hui, on va rebondir un petit peu sur quelques notions. On va rebondir sur quelques notions de tâches. Donc, je vais voir avec vous ça. Alors, on va rebondir sur les types de tâches. D'accord? Donc, on ne les a pas encore détaillés parce qu'on va retrouver le paramétrage des types de tâches à l'intérieur même de MS Project. Donc, vous devriez normalement savoir faire la différence entre trois types de tâches différentes. On va voir aussi c'est quoi les contraintes de tâches. Donc, vous pouvez indiquer des conditions de tâches. On va voir quels sont les types de liaisons. Ça, on a déjà vu, mais on va le revoir, type de liaison. Et à la fin, on va revenir aux ressources pour spécifier comment peut-on définir plusieurs coûts pour la même ressource. C'est-à-dire le paiement de la ressource, que ce soit le taux horaire, le taux supplémentaire. Vous allez voir qu'on peut définir plusieurs coûts différents. Ça peut aller jusqu'à 18 coûts différents pour chaque ressource. OK. Alors, on commence. Donc, vous pouvez prendre des notes. En même temps que, voilà, j'explique. Alors, pour ce qui est des types de tâches, donc, les types de tâches, il y en a trois. Donc, il y a les tâches qui ont une durée fixe. C'est-à-dire, vous pouvez dire à votre logiciel que la tâche peindre la chambre qui dure 3 jours, même si je lui affecte plusieurs ressources, donc la durée ne doit jamais changer. En fait, le logiciel, il est là pour calculer et recalculer. Donc, si vous apporter des modifications dans le projet, bah peut-être les durées vont changer automatiquement. Alors, on est censé, dans certaines tâches, fixer la durée. Par exemple, vous dites, je veux que la durée soit fixe. La durée des études, c'est 10 mois. Même si j'affecte plusieurs professeurs, je ne veux pas qu'à la fin, qu'elle soit rétrécie à 5 ou 6 mois. Je veux qu'elle reste toujours sur 10 mois. Alors, dans ce cas-là, on doit fixer la durée. On trouve aussi comment fixer le travail. Donc, le travail, c'est lorsqu'il s'agit de la masse horaire. C'est l'effort. Okay, la masse horaire, on peut aussi fixer et aussi fixer la capacité. Donc, où est-ce qu'on trouve ça sur le logiciel? Alors, je vais partager avec vous le MS Project, mon MS Project, pour comme ça, je puisse vous montrer où on peut paramétrer cela. Alors, supposons que ça, c'est un projet. Donc, ce projet-là, on a déjà fait, c'est la remise des diplômes. D'accord? Alors, par exemple, la durée et définir les dates. Okay? Cette tâche-là, je veux, par exemple, fixer sa durée. Je veux que sa durée reste toujours 1 heure. Je ne veux pas qu'elle change. Avec les affectations, elle peut changer. Alors, ce que je fais, je vais cliquer 2 fois sur la tâche. Ça. Alors, sur la fenêtre qu'on voit ici, bien sûr, il y a le nom de la tâche, voilà, la durée, etc. Mais il y a ici avancée. Alors, dans la fenêtre, dans l'onglet avancée, donc on trouve qu'il y a ici le type de la tâche. Alors, vous pouvez spécifier pour une tâche donnée quel est le type qu'elle va en avoir.
Ça veut dire qu'il peut être par défaut ses capacités fixes, ça veut dire le nombre de ressources est fixe. La durée que vous allez saisir peut être fixe, ou la masse horaire. C'est-à-dire on travaille 8 heures par jour, 1 ou 6 heures par jour, donc on veut fixer le travail. La durée, par contre, elle est en jours. Par exemple, vous dites que aujourd'hui, on va étudier MS Project. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va étudier 24 heures. Okay? Donc, il y a une différence entre la durée et le travail. Donc, on va travailler MS Project pendant 40 minutes cette journée. Donc, la durée et le travail, ce sont deux choses différentes. La capacité, c'est combien de personnes, combien de ressources vont y participer. D'accord? Alors, donc, pour chaque tâche donnée, vous pouvez spécifier son type. C'est ce qu'on est en train d'expliquer là. Donc, comment peut-on spécifier le type de la tâche? Alors, pour les tâches... Alors, pour les tâches qui peuvent avoir une durée fixe, donc la durée fixe, en fait, c'est quoi? Donc, une tâche à durée fixe conserve sa valeur dans le champ durée pour ajuster les prévisions du projet. Donc, Microsoft Project calcule les unités de ressources lorsque le travail des affectations est modifié. C'est-à-dire, il ne va jamais toucher à la durée. Il va toucher aux ressources, capacités. D'accord? Par exemple, vous avez affecté deux professeurs, je ne sais pas, pour une journée. Alors, vous dites que la journée, peut-être, ça va prendre 8 heures de travail. Donc, vous ne voulez pas que la journée change de durée. Donc, dans ce cas-là, MS Project, il va changer la capacité. Ça veut dire, au lieu de faire deux, peut-être il va faire deux et demi, il va faire trois professeurs. Okay? Alors, je vous donne là un petit exemple. Vous allez comprendre mieux. Donc, on a deux peintres qui travaillent à plein temps pour peindre les murs. Donc, on veut peindre les murs de votre chambre à coucher. Donc, on a fait appel à deux peintres. Donc, ils vont travailler durant 4 jours. Ils vont faire le papier peint et la peinture. Par la suite, deux autres peintres sont affectés à plein temps à la même tâche. Ça veut dire, à la fin, on a 4 peintres. Normalement, d'accord? Si, donc, normalement, MS Project, il va diviser 4 sur 2, parce qu'on n'a plus de peintres, on a 4 peintres. Donc, on va faire le travail dans la moitié du temps. Mais si vous avez fixé la durée, alors qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, les peintres ne vont travailler que la moitié du temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler toute la journée, ils vont travailler mi-temps pour que le MS Project puisse garder la durée de 4 jours. D'accord? Donc, cet exemple-là nous montre que même si on augmente le nombre de ressources, et si la durée de la tâche est fixée, dans ce cas-là, le MS Project ne va pas changer la durée. Il va travailler sur la capacité, c'est-à-dire le nombre de ressources. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ça va, vous allez bien? Merci, oui, madame. Et vous? Oui, madame. Très bien. Alhamdoulilah, très bien. Donc, une minute, monsieur Barrou, s'il vous plaît, je vais passer un petit message aux étudiants. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Donc, écoutez-moi très bien. Donc, Inch'Allah, on est en train de travailler sur une plateforme. D'accord. C'est une plateforme qui est générale, qui contient des cours sous forme de vidéoconférences, fichiers, aussi des forums de discussion avec les professeurs et entre vous, les notes, la présence de chaque étudiant, les notes de chaque étudiant par matière, son emploi du temps, les devoirs en ligne, les examens en ligne, les réclamations, les demandes d'autorisation et bien sûr par la suite on va développer encore d'autres modules dans la plateforme. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que on va tester demain la plateforme avec les professeurs, d'accord? Si ça marche bien, je vais vous envoyer les login password le dimanche et on va commencer à tester la plateforme à partir de lundi, d'accord? Si ça marche bien. Si ça ne marche pas, il y a encore des bugs, on va continuer par Zoom. Donc, dans le cas positif, ça veut dire dans le cas si ça marche avec les professeurs et on compte le démarrer le lundi. Je vais attendre vos feedbacks. D'accord? Vous devez m'envoyer par mail vos remarques. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Est-ce que ça va être bénéfique pour vous? Est-ce que ça va faciliter l'interaction avec les professeurs et l'administration? Donc,
n'importe quelle remarque, merci de me l'envoyer par mail. Parce que normalement, après le lancement de cette plateforme, on va l'acheter pour toujours. Ça veut dire que ce n'est pas une plateforme juste pour la période de confinement. C'est une plateforme qui va être pour toujours pour la gestion de l'ISMA, de l'ISMAC. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Très bien. Donc, merci beaucoup. D'ici le dimanche, si vous recevrez les logins password, vous allez commencer avec la plateforme. Sinon, on va continuer avec Zoom jusqu'à après les vacances. Merci. Merci. Merci, merci M. Bakos. Oui. Demain, Inch'Allah, à 11h, on aura une réunion via Zoom. Donc, je vais vous envoyer un lien. Donc, on va se réunir avec tous les professeurs et l'administration pour tester la plateforme. D'accord. Quel est le nom de la plateforme? Il y a un nom? Comme ça, on peut... Il y a un nom. Demain, vous allez voir. Parce que même il a très petit lame qui neige. Ça veut dire vous devez avoir le login password. D'accord. Le site. Donc, en Sept-Lécom, on a le lien. Je vais faire la démonstration demain à 11h en ligne. Je vais vous envoyer, bien sûr, les logins et on va tester en temps réel. D'accord. Super. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci bon courage et bon week-end des étudiants. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Monsieur Baron, vous avez un problème de connexion. Qui? Nawal. Alors, de toute façon, tout ce qu'on fait est enregistré. Elle peut revenir voir la séance sur le Google Classroom. Vous avez compris? La séance est enregistrée. Revenir la remarque. Monsieur, j'ai un problème de connexion à chaque fois, il se déconnecte. D'accord, c'est pour cela que j'ai dit que la séance est enregistrée. Tu peux revenir pour la revoir sur Google Classroom. Ok, je vais vous envoyer la vidéo, vous pouvez revoir toute l'explication. Ok, alors on continue. Donc on a dit la tâche elle peut être de durée fixe. Elle peut, donc, dans ce cas-là, la durée ne va jamais changer, même si vous ajoutez d'autres ressources. Aussi, les tâches elles peuvent être fixées au niveau du travail. Ça veut dire si vous faites le travail, en fait, c'est le nombre d'heures. Le nombre d'heures qu'on va consacrer pour une ressource donnée. Par exemple, on a deux peintres qui passent deux journées de 8 heures sur une tâche. Donc, le travail total est 32 heures, donc 8. D'accord? Deux journées, donc de 8 heures. Ça veut dire 8 fois 2, c'est 16, fois 2 peintres, c'est 32 heures. Donc la tâche de peindre cette pièce, c'est 32 heures de travail. Alors lorsqu'on va attribuer le paramètre travail fixe à cette tâche, donc Microsoft ne va pas recalculer le travail. Par exemple, donc deux peintres sont affectés à plein temps pour peindre les murs en 4 jours. Ensuite, on a affecté deux autres peintres supplémentaires. D'accord? Donc, Microsoft, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas toucher sur la masse horaire, il va toucher sur la durée. Donc, il va changer la durée. Au lieu qu'on fait la chambre en 4 jours, maintenant, on va la faire en 2 jours. Okay? Et tous les peintres, ils vont travailler 8 heures par jour. Parce qu'on a fixé le travail. Le travail, c'est combien d'heures par jour on va faire. D'accord? Donc, il y a, moi, actuellement, on a vu deux paramètres. Il y a la durée, vous pouvez fixer le nombre de jours d'une tâche. Ne va jamais changer. Vous pouvez aussi fixer la masse horaire du travail. Ça veut dire les 8 heures qu'on a fait dans le calendrier, on peut les fixer pour qu'ils ne jouent pas sur le recalcul du travail. Le troisième paramètre, c'est la capacité. Alors, c'est quoi la capacité? La capacité, c'est le nombre de personnes, le nombre de ressources qui vont travailler. Donc, le type de tâche capacité fixe correspond aux personnes ou aux équipements affectés à une tâche et au montant alloué. Donc, les unités déterminent l'utilisation d'une ressource à une tâche. Les unités peuvent être affectées en pourcentage ou en décimal. Ça, on a déjà vu dans le paramétrage. C'est-à-dire que tu peux affecter un peintre, comme tu peux affecter 100% d'un peintre. D'accord? Alors, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va soit afficher en nombre de unitaires, décimal, hein, soit il affiche en pourcentage. Alors, si on affecte quelqu'un à une tâche, donc normalement, elle va afficher soit 100%, soit 1. D'accord? Si elle est affectée à 50%, ça veut dire qu'elle va travailler à mi-temps. Alors,
Si vous faites ce paramètre dans le logiciel, vous fixez la capacité, alors le logiciel ne va pas jouer sur cette affectation. Il va la regarder telle qu'elle. Okay. Donc, deux unités, donc exemple, deux unités entières de ressources peintres sont affectées à une tâche. Donc, on a deux peintres qui vont faire la peinture. Donc, en logiciel, il va nous faire 200% ou deux peintres ou deux. Okay. Par la suite, deux autres unités, donc on a affecté deux autres peintres à la même tâche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Microsoft Project? Donc, il va réduire la taille de la tâche à 2 jours. Okay? Donc, il va garder le nombre qu'on a entré. Il ne va pas le toucher, mais par contre, il va changer la durée. Donc, si vous fixez la capacité ou si vous fixez le travail ou si vous fixez la durée, alors le logiciel ne va jamais y toucher. Il va toucher les autres paramètres. Et tout cela dépend du type de votre projet, le contexte dans lequel le projet il tourne. D'accord? Donc ça, c'est entre guillemets, comment peut-on modifier le type de la tâche? Donc le type de tâche, rappelez-vous, il y en a trois. Il y a trois types de tâches. Il y a les tâches à durée fixe, les tâches à travail fixe et les tâches à capacité fixe. D'accord? C'est à vous de voir par rapport à chaque type de projet, quel est le paramètre à fixer. Bien, maintenant je passe à la deuxième partie. Donc, des fois, par exemple, sur votre MS Project, je reviens à mon MS Project, on peut déterminer des contraintes. Les contraintes, ça veut dire des conditions. Par exemple, définition de la date, je peux dire la définition de la date, elle doit absolument se terminer demain matin. Donc, je dois entrer ça à mon logiciel. Je vais lui dire, tu dois imposer cette règle, hein, une loi, une condition. Je veux la faire entrer, hein, de force. C'est-à-dire, il doit la respecter absolument. On appelle ça une contrainte. C'est-à-dire, même s'il fait des calculs, il va toujours respecter les contraintes que vous allez lui dire. Alors, une contrainte, je clique deux fois sur la tâche. Alors, vous allez trouver la contrainte ici. D'accord? J'ai cliqué deux fois. Donc, type de contrainte, vous allez choisir quel est le type. Doit débuter au plus tôt, doit se terminer au plus tard, au plus tôt, doit finir le. Donc, tu entres ici la date, hein, la contrainte que tu veux choisir, que tu veux mettre en place pour la tâche qui a été sélectionnée. Par exemple, une tâche doit finir demain matin. Voilà, c'est simple. Elle doit finir le. Donc, si je valide, je fais OK. Et si j'apporte des changements, il va toujours respecter cette règle. D'accord? Jamais il ne va dépasser la date de fin, il ne va dépasser la contrainte que j'ai mise en place. Donc, si je fais OK, donc il va me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, déjà, il est terminé à 30. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va normalement définir en contrainte, continuer afin de définir. Donc, il va la définir, il va changer toutes ces dates. OK? Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est qu'une tâche peut avoir des conditions ou des contraintes. Donc, définition de contrainte, ça représente les restrictions imposées sur une tâche. Elle influence la manière dont Microsoft Project calcule les dates du début et de fin des tâches, ceci étant déterminant pour la durée du projet. Par exemple, on peut préciser une date du début ou de fin précise pour une tâche. Tu peux préciser, tu peux fixer. Donc, ça, c'est le deuxième point de ce plan, donc type de tâche, contrainte de tâche. Okay? Alors maintenant, on va rebondir sur les types de liaisons. On a déjà vu les types de liaisons une fois, rapidement, mais maintenant, on va le voir un peu en détail. Quels sont les types de liaisons? Alors, les types de liaisons, en fait, les tâches qui constituent un projet peuvent être liées de plusieurs manières, selon qu'elles doivent débuter à la même date, se terminer à la même date, etc. Alors, Microsoft Project autorise 4 types de liaisons de tâches. Donc, on a fin à début, d'accord? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Fin à début, c'est la relation classique, d'accord? C'est-à-dire une tâche se termine et que, normalement, la tâche suivante, elle commence, d'accord? Fin à début. Et on peut faire FD si on souhaite dans les prédécesseurs, mais souvent, c'est par défaut. Alors, il y a la tâche début à début, ça aussi, on a vu. C'est-à-dire deux tâches commencent en même temps. Donc là, on doit ajouter DD. Par exemple, la tâche 26, 27. Donc, 27, son prédécesseur, c'est 26 DD. C'est-à-dire, elle doit commencer, elles ont le même début à début.
il y a fin à fin, c'est-à-dire là, vous faites en sorte à ce que les tâches, donc les deux, elles doivent se terminer. Hein, si la tâche 2 se termine, donc vous obligez aussi à ce que la tâche précédente soit terminée aussi. D'accord ? Elle ne peut pas terminer qu'après avoir terminé la tâche précédente. Donc elle termine en même temps, fin à fin. Donc la tâche B ne peut pas terminer avant A. La tâche B ne peut pas terminer avant A. C'est une règle. Alors il y a début à fin. En fait, début à fin, c'est très rare qu'on trouve ça. Donc la tâche B ne peut pas se terminer, hein, avant le début de la tâche 1. C'est-à-dire la tâche 1, son début, est conditionné par la fin de la tâche B. Donc là, pourquoi ce genre de relation? Souvent, c'est dû à la manière où on a fait la saisie des tâches. Donc normalement, ils sont inversés. Ils devaient être de cette manière, donc ils ont inversé. Donc on peut appliquer ce genre de conditions, hein, ce genre de liaison à nos tâches. Alors, où est-ce qu'on trouve ça dans le logiciel? Où est-ce que cela est situé? Alors, si on revient à notre partage, à notre logiciel, alors, au moment où vous allez faire les prédécesseurs, par exemple, cette page-là, je vais cliquer deux fois. Alors, il y a prédécesseurs. Alors, lorsque vous choisissez une tâche qui précède celle en cours, là, il vous montre le type de tâche. Alors, fin à début, début à début, fin à fin, début à fin. Vous voyez, le DF, il est là. Alors, vous pouvez choisir le type de relation, le type de liaison, bien sûr, convenable à chacune des tâches. D'accord? Bien. Alors, ça, c'est pour rappeler les types de liaisons par rapport, bien sûr, à ce qu'on a déjà fait. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est la première. Hein? Alors, on a besoin aussi du DD, mais des fois, on peut ajouter ces deux autres liaisons, mais c'est un peu rare qu'on utilise les deux dernières. Alors, maintenant, on va rebondir sur les ressources. Donc, la 3, la dernière séance, on a discuté des tableaux des ressources. On dit que dans un projet, on a un affichage spécial. On a un affichage spécial qui s'appelle le tableau des ressources. Alors, le tableau des ressources, en fait, c'est là qu'on indique les ressources humaines, les ressources matérielles et même aussi les ressources financières. C'est-à-dire, si vous avez des subventions, si vous avez de l'argent qui entre, donc vous pouvez même indiquer les ressources financières si vous souhaitez. Alors, à côté, vous avez le type de la ressource. Est-ce que c'est une ressource qui travaille, souvent ressources humaines, une ressource matérielle ou ressource coût, une ressource peut-être qui va seulement utiliser de un coût. Alors, l'étiquette matérielle, on a dit, pour chaque ressource, elle peut avoir un matricule, un code spécifique. Alors, les initiales, vous pouvez indiquer les initiales. Le groupe, peut-être que vous pouvez les classifier, par exemple, direction, ça c'est technique, donc direction, je peux choisir aussi directeur, d'accord, alors directeur équipe, dans le comptable, directeur, alors là c'est sous-traitant. Et donc, sous-traitant. Ok. Alors, invité. Alors, invité, c'est public. Et le public. Alors, à quoi ça va nous servir ça? Alors, au moment où on veut appliquer un groupe, donc on peut quelque part choisir groupe de ressources. Vous voyez? Alors, groupe de ressources, ça permet de classifier mes ressources par type. Alors, comme ça, je peux travailler uniquement sur un groupe particulier et à la fin, je masque et travaille sur un autre tranquillement. Okay. Alors, ça, c'est ça l'utilité de la colonne groupe. Alors, je vais annuler. Alors, la capacité, ça veut dire vous avez combien de personnes? Par exemple, les invités, on va inviter une centaine de personnes pour cette cérémonie. On a 20 lauréats, par exemple, un seul directeur, un seul prix, hein, on va avoir le prix, pourquoi?
Alors, parce qu'il va faire le Coran. Alors, l'équipe technique, on a deux techniciens, peut-être. On va faire deux. Alors, le traiteur animateur, quatre. L'équipe, on est 10. D'accord, c'est le comptable. Bah, je ne sais pas la différence entre équipe administrative, on va faire 4. Assistant, il y en a un. Okay. Alors là, vous indiquez les taux, donc le taux standard et le taux horaire supplémentaire. Donc, si vous allez payer vos ressources par heure ou par jour ou par mois, donc il faut indiquer les montants ici. Alors, en fait, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est comment travailler sur les montants. Alors, peut-être que l'équipe technique, les traiteurs animateurs, on va les payer, je ne sais pas, 200 dirhams l'heure. D'accord? Et à raison, ils vont travailler 4 heures. Alors, selon ce qu'ils nous ont indiqué, donc s'ils travaillent plus, s'ils restent plus que 4 heures, alors chaque heure supplémentaire, ils vont être payés à 300 dirhams. D'accord? Donc, c'est là l'utilité de la colonne taux horaire supplémentaire. D'accord? Donc, je vais réafficher mon groupe de ressources. Je vais travailler juste sur les sous-traitants. Okay. Alors, traiteurs administrateurs, ils vont travailler 300 dirhams. Okay. Alors, la colonne coût par utilisation, c'est dans le cas où il y a une ressource, par exemple, qui va être payée une seule fois lorsqu'on va faire appel à elle. Par exemple, on a un notaire qui va nous remplir un papier, va faire les formalités. Donc, on va le payer uniquement une fois qu'il aura terminé le contrat, il va être payé. Donc, à chaque fois qu'on va appeler son notaire, hein, on va le payer. Donc, il ne va pas être payé à l'heure, il n'a pas un prix supplémentaire, donc il a un coût par utilisation. Alors, par exemple, un deuxième exemple, c'est lorsque on va faire une location, par exemple, location de voiture. Alors, chaque jour que vous allez appeler cette machine, cette voiture, vous allez payer à chaque fois que vous allez faire appel à cette machine. Alors, allocation, ça veut dire le prix, quand est-ce que vous allez la payer? Est-ce qu'avant qu'elle commence ou au fur et à mesure ou à la fin? Donc, début, proportionnel, c'est au fur et à mesure, petit à petit et à la fin. Et est-ce qu'il y a un calendrier spécial pour cette ressource ou est-ce qu'elle travaille avec un calendrier standard, ça veut dire 8 heures par jour? Là, c'est 24 heures. Une machine qui tourne tout le temps, un générateur électrique, je ne sais pas, une pompe, etc. Équipe de nuit, hein, les gens de la gare, les permanences, etc. Donc, je garde mon calendrier standard. Alors là, il y a une spécificité pour le coût. Alors, dans ma présentation, alors, il y a des coûts de ressources. Donc, positionnez-vous sur l'angle de coût. On va voir qu'une ressource, elle peut avoir plusieurs coûts. Donc, on a déjà vu le taux standard, heure supplémentaire, coût par utilisation. Mais on peut aussi définir des catégories de taux. Comment? Supposons que, peut-être par exemple, remarquez ici, un électricien peut être payé au taux de 20 dirhams pour rétablir les raccordements électriques, les murs, etc. Il va être payé au taux B, 35 dirhams, lorsqu'il doit superviser une équipe de travail. Vous voyez donc, la même ressource, elle peut être payée avec deux taux différents. Ça dépend de la tâche à laquelle était affectée. Alors, comment vous pouvez dire cela, paramétrer cela votre logiciel, pour qu'il puisse calculer les coûts, bien sûr, en relation avec les affectations. Et une chose importante, une ressource peut avoir 25 taux différents. Une seule ressource peut avoir 25 taux différents. Alors, comment peut-on travailler les taux? Alors, je vais vous montrer sur mon logiciel. Alors, supposons que, par exemple, les traiteurs et animateurs, ils ont des taux différents. Ils vous disent, voilà, si on fait cela, c'est le taux 1, si on fait autre chose, c'est le taux 2, etc. Ou, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler avec 100 dirhams. Hein. Demain, attention, demain, non. Demain, on va faire 120 dirhams. Bon. Alors, ce genre de situation, il est paramétrable. Je vais entrer dans traiteur et animateur.
Remarquez, j'ai cliqué deux fois sur la ressource, il m'affiche information sur la ressource. Alors, il y a bien sûr les informations, l'adresse email de cette ressource, etc. La disponibilité, est-ce qu'il a des vacances? Et aussi, on a les coûts. Remarquez, il y a A, B, C, D, E. Et dans chacune de ces feuilles, on a une grande liste où on peut entrer des coûts. Alors, le coût, par défaut, c'est le coût qu'on trouve ici. C'est le coût qu'on a entré, 200, 300. Il est là. Alors, ça n'empêche d'ajouter une date d'effet. Par exemple, à partir du lundi prochain, le 30, cette ressource, elle va être payée à 220 dirhams, au standard. Donc, le logiciel, automatiquement, qu'on a cette date, il va calculer sur la base de 220 dirhams. Il ne va pas calculer sur la base de 200. Et l'heure supplémentaire, selon ce qu'il m'a dit, ils vont travailler à 350 dirhams l'heure. À partir du lundi, donc, le taux va augmenter. D'accord? Bon, ça n'empêche que on peut aussi ajouter peut-être cette ressource. Le traiteur et les animateurs, ils ont la première tâche qui est A. Ils peuvent aussi, ils vous disent, on peut vous aider, hein, si vous souhaitez, à faire la décoration, même si ce n'est pas notre mission. Donc, dans ce cas-là, on va faire la deuxième table B, qui il s'agit d'un autre métier, une autre fonction qu'ils vont exercer. Alors, s'ils font cette fonction-là, on va les payer seulement à 120 dirhams. D'accord? Je mets la même chose ici. Et si, par exemple, le traiteur nous dit, on peut aussi faire avec vous la distribution des diplômes. Alors, si vous voulez qu'on vous aide à ça, alors vous nous donnez juste 100 dirhams. OK? Alors, comme ça, on a affecté plusieurs fonctions à la même ressource, mais avec des taux différents. Et même, ces taux-là, ils peuvent varier selon les dates. Donc, on peut ajouter des dates et faire des variations. D'accord? Alors, c'est un peu avancé dans la gestion des coûts. Hein? Et bien sûr, ça répond à un besoin qu'on retrouve sur le terrain. Et comme ça, ça va nous alléger la tâche. Au moment où on va faire les affectations, par exemple, je vais affecter, je ne sais pas combien il me reste, 2 minutes. Donc, je vais affecter, par exemple, une ressource. Alors, pour faire l'affectation, j'ai dit, c'est simple. Vous cliquez sur ce bouton-là. D'accord? Donc, il va vous montrer les ressources. Par exemple, définition des dates. Donc, c'est l'assistante qui va faire. Donc, je vais glisser l'assistante. Je vais placer ici. Voilà, elle a été ajoutée. Je peux ajouter, par exemple, le directeur aussi à la même page. Donc, je glisse directeur vers la page définition des dates. Alors, vous voyez, assistante pédagogique et directeur. D'accord? OK. Alors, je ferme. Alors, ces deux tâches, en fait, là, ces deux ressources, elles ont été affectées à cette tâche-là. Alors, maintenant, comment peut-on trouver, où est-ce qu'on peut trouver les tables de coûts A, B, C, D, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, si on clique deux fois ici, on a les ressources, mais en fait, ces ressources-là, pardon, les ressources, elles sont là. Alors, il va les affecter selon, bien sûr, le coût qu'on a indiqué. Alors, sachez que le directeur assistant n'a pas encore précisé le coût. Donc, je vais affecter des ressources qui ont un coût. Donc, il y a l'animateur, je pense qu'on a fait des coûts ici. Je vais cliquer sur... Ouais, je la place. Alors, je reviens à ma fenêtre que, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, il a commencé à faire des calculs parce qu'on a déjà défini des coûts pour le traiteur et pour l'animateur. Mais là, on ne retrouve pas la table d'étage, la table des coûts. Donc, il n'y a pas le ABC. Donc, où est-ce qu'on va la retrouver? Alors, dans ce cas-là, vous devez faire un petit changement concernant l'affichage. Alors, vous devez appeler l'utilisation des tâches. D'accord? Donc, l'utilisation des tâches, donc, il va vous montrer une tâche et qui l'a fait. La tâche et qui fait la tâche. Par exemple, fils de Loria, traiteur animateur. Définition des tâches est faite par ces gens-là. Et à côté, vous allez trouver qu'il y a un calendrier qui nous montre le lundi combien d'heures et vont chaque ressource va travailler. Par exemple, le directeur va faire 1 heure pour faire définition des tâches. Alors, c'est là, en fait, qu'on va trouver la table. Donc, si je clique deux fois sur traiteur